What if I show you these? Ce policier s'est laissé charmer par cette conductrice qui lui a fait une proposition indécente, et cela allait se terminer en une affaire d'État aux conséquences dévastatrices pour lui. La conductrice était accompagnée d'un homme lorsqu'elle s'est fait arrêter pour excès de vitesse par Sean Herman, un officier de la police de Nashville dont le visage n'était pas visible et qui s'est présenté à ce moment-là sous un faux nom. Told you you were going too fast. Nobody listens to me. I'm not going to get it. How do you think that you're going to get a ticket? I'm going to show my name. No, you're not. Watch me. Just watch. Hey, man. I'm also John's MPD. You know where I pulled you over? No. All right, well, I got you going 65 and a 45 back there, okay? La jeune femme n'avait pas ses papiers et elle a décidé de tout faire pour ne pas recevoir de contravention, jusqu'à se dénuder devant lui en lui proposant d'aller plus loin. S'il s'est montré assez ferme au début, l'officier a fini par céder à la tentation et cela allait lui coûter très cher. Cette vidéo a été le début d'un cauchemar sans fin pour ce policier de Nashville. Elle a été publiée sur la plateforme pour adultes OnlyFans par cette femme connue sous le nom de Jordyn Zwetoff, une célèbre créatrice de contenu pour adultes, et elle s'est très vite répandue sur des réseaux sociaux comme Reddit. Des millions de gens ont vu la vidéo et tous les médias en ont parlé. Malheureusement pour lui, elle a fini par arriver sur la table de sa hiérarchie, qui a pu l'identifier grâce à son uniforme, et qu'il a immédiatement licencié. C'est l'un des actes les plus choquants et irrespectueux qu'une personne puisse commettre ici. Sean Herman a payé le prix fort pour cette vidéo qui, en réalité, était une mise en scène, consensuelle et privée, réalisée en dehors de son temps de travail. Selon l'actrice, c'est l'agent qui avait décidé de la contacter, elle et son petit ami, afin de mettre en place ce scénario. What if I show you Interrogé à ce sujet, Kyle Schauberg, sergent de police en Californie, a expliqué lors d'une interview que les officiers pouvaient filmer de telles vidéos tant qu'ils ne le faisaient pas avec leur uniforme, une erreur qui aura été fatale à Sean Herman. Told you you were going too fast. Nobody listens to me. I'm not going to get a ticket. How do you think that you're going to get a ticket? I'm going to show my... No, you're not. Watch me. Just watch. Good evening, man. I'm also John's MPD. You know where I pulled you over? No. Well, I got you going 65 and a 45 back there, okay? Do you have your license or registration on you? I actually don't have it in this car, but what if I show you these? I can see tips on the internet anytime. Well, what if you...